Voyons voir ce qu'il y a à la télé pour aujourd'hui. On va l'éteindre pour le moment. Ok, bah il y a pas mal de trucs à la télé aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Et puis, si tu kiffes, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo! Bonjour à tous, à Speeder, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée ou une excellente nuit. En tout cas, moi, ça va super. Et puis, pour cette vidéo, on se retrouve sur Minecraft pour vous montrer eh bien, comment le tuto du télé fonctionnable. Comme vous voyez derrière moi, c'est une télé Minecraft qui fonctionne, les amis, qui change de page. Voilà, comme ça, c'est un système assez simple. Regardez-moi ça, regardez derrière l'écran qui bouge, qui nous montre plein de trucs avec les nouveaux blocs. Eh bien, les terres cuites, et on va fabriquer des animations avec, comme vous voyez derrière. Je vais vous montrer le tutoriel. Et puis sur ce, eh bien, on va tout de suite commencer le tutoriel. Avant, je vais vous montrer l'extérieur comment c'est. Et bien maintenant, je vais vous montrer le système un peu comment ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche, les amis. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous montre un peu. Regardez comment ça marche. Si vous voulez, hop, il y a un bloc qui part, un bloc qui regarde. En fait, vous voyez, c'est une ronde. C'est une ronde, c'est comme un espèce de truc à la queue leu leu. Et c'est une ronde comme ça qui défile les images. Voilà, les pistons, un piston qui pousse, un piston qui pousse, un piston qui pousse, comme ça pour faire une ronde. Et ça fait une télévision Minecraft. C'est quand même assez grand. C'est quand même un grand système, mais c'est simple à faire. Regardez, il y a quand même pas beaucoup de redstone. Enfin, si ça va quand même. Il y a quand même des grands chemins, mais je vais vous montrer le tutoriel. Et oui, je vais vous montrer le tutoriel, les amis. Je pense que vous allez aimer. Et puis, bien, comment ça marche? Comment il fait défiler les images? Et bien, c'est tout simple. J'éteins maintenant. Hop. Le système ne marche plus. Il y a juste la boucle qui reste allumée. Donc là, j'ai fermé le système. C'est-à-dire que le bloc là, quand il se lève. Quand il se lève, boum, il renvoie des petits trucs pour que ça puisse marcher, regardez. Et ceci va faire marcher tout le système, regardez tout ce qui marche là, hop, ça défile, et c'est vraiment officiel dans ce système, c'est vraiment un système assez grand quand même. Donc il y a des jonctures, mais c'est pas grave, car je vais tout de suite vous montrer le tutoriel, et puis à tout de suite. Ok les amis, donc nous allons tout de suite commencer le tutoriel. Donc voilà un peu le truc. Donc avant, pour commencer le système, on va déjà utiliser, peu importe le bloc que vous utilisez, on va essayer d'utiliser du béton. On va utiliser du béton. Donc on commence par mettre 4 pistons. Alors 4 pistons comme ceci. Voilà, ce qui est assez simple. Ensuite, on se décale de 1, 2, 3, 4, 2, 4. Donc on compte 1, 2, 3 et 4. On creuse. On creuse de 4 comme ceci. Vous mettez les pistons en l'air. Hop, comme ceci. Ensuite, on monte de 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ceci. Je casse tous les blocs, voilà, comme ceci. Alors, hop, voilà, comme ça. Donc, en fait, si vous voulez, vous voyez, les pistons, c'est à cette taille-là. Donc, on va essayer. Ils sont à peine plus. Ils sont normal, quoi, voilà. Il y a autre chose, mais non. Voilà, donc on les met comme ça. Par contre, quand ils essayent, il faut essayer de faire tout ça. Alors, on fait comme ça, on met. On casse le bloc, on fait ça. Hop. Hop, voilà. Donc, il faut bien être au-dessus. Donc, vous faites un petit truc pour voir si c'est bien au-dessus. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit comme ça. Je passe un truc comme ça. Ensuite, vous les amenez vers vous. Voilà, comme ça, des pistons qui nous amènent comme ça. En fait, ça va pousser les pistons comme ça. Ça va pousser les blocs ici. Les blocs qui sont là, ils vont descendre. Avec les pistons, on va les nouveaux pistons qu'on va mettre. Donc, vous allez aller jusqu'au-dessus avec ces blocs-là. Voilà, comme ceci, à la même hauteur que celle-là. On casse. Tac, tac, tac. Là, vous laissez des blocs comme ça. Vous allez faire genre, alors, une espèce de contour de télé. Voilà, comme ça. Vous allez bien au bord, comme ceci, vous faites comme moi. Voilà, hop. Hop. Hop, vous faites le contour de votre télé. Vous en faites pas la décoration. Après, c'est vous qui faites. Mais je vous montre aussi des petites techniques. Hein, c'est comme vous voulez. Ensuite, donc,
pour que donc en fait ils partent comme ça et tout. Donc là vous allez reprendre des blocs, vous allez en mettre deux comme ceci, et là vous allez abaisser deux, vous les abaissez tous comme ceci, tac, et celui-ci, voilà. Donc maintenant vous avez à peu près les trucs principaux du système, voilà. Ensuite, pour que votre système marche, eh bien vous allez déjà, on va aller commencer à faire la petite boucle, voilà, qui tourne à l'infini. Alors vous faites 1, 2, 3, comme ceci, 1, 2, 3, comme ceci, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, voilà. Vous allez vers le tic, vous en mettez que 1, 2, donc dans ces deux-là, vous en mettez qu'un seul tic dans ces deux-là, pas dans celui du milieu. C'est pour que ça aille quand même assez vite, parce que les images défilent assez vite. Hop, vous mettez des petits trucs comme ceci. Donc là, voilà, je ne l'ai pas placé exactement comme je l'ai placé ici, mais ça marchera quand même. Hein. Voilà, regardez, voilà, il est à peine plus près du truc, on l'a fait un peu plus loin, mais c'est pas grave. Ensuite, vous amenez ça comme ceci, vous cassez juste là, voilà, vous mettez un petit truc comme ça. Vous mettez un répéteur. Vous mettez, vous cassez deux en dessous, voilà, comme ceci. Comme ceci, vous prenez un piston collant, parce que le piston collant, si vous voulez, ça va, faire monter le bloc comme ceci quand on en aura besoin. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre, voilà, comme ceci, vous mettez un bloc, voilà. Peu importe le bloc, on fait comme vous voulez. On fait un système, donc vous commencez d'ici. Donc voilà, là, il y aura les trucs, les images qui vont défiler et tout. Vous faites comme ceci. Là, vous cassez, hop. Vous en faites pas, on va mettre des tapis en fait si vous voulez pour que tout continue à marcher. Alors, voilà, on continue. Désolé pour l'arrêt, j'ai dû arrêter parce que le problème. Voilà, hop, vous mettez ensuite des repeaters comme ceci, donc à un tic. Vous mettez de la redstone comme ceci, tac. Vous mettez, vous continuez comme ceci, top, vous vous arrêtez. Vous mettez un repeater. Vous l'envoyez jusqu'à là-bas, tac, 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 tac. Donc, tac, 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 tac. Voilà, comme ceci. Vous cassez ce qu'est là, ça on va pas en avoir besoin. Voilà, vous mettez comme ceci. Donc là, regardez, ça donne ça en tout. Voilà, voilà, j'ai mis des repeaters. Je vais plutôt mettre des repeaters au cas où, hein, voilà. Donc vous allez creuser par le dessous, comme ceci, tac, 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 voilà. Vous mettez des repeaters, donc vous cassez ça, vous venez ici, hop, vous faites un détour comme ceci. En fait, je crois que c'est parce que, du coup, on va devoir mettre à deux tics comme ça, c'est pour ça que j'ai mis des repeaters. Oui, donc mettez bien des repeaters, du coup, c'est bien ça, mettez bien des repeaters. Ensuite, je vais juste éteindre cette pluie. Voilà, donc ensuite, vous faites un petit escalier comme ceci pour qu'on puisse faire monter le système. Donc, tac, 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 tac. Hop, vous continuez à le faire monter, donc là, hop. Hop, voilà, un escalier jusqu'à là. Donc voilà, là, vous avez à peu près votre système. Donc comme vous voyez ici, là, il n'y a pas de redstone, ce qui est normal, parce que vu que j'ai mis un truc à 4 tics ici, j'aurais juste besoin d'en mettre un. Donc si vous voulez votre système, sans utiliser trop de repeaters, vous faites comme vous voulez, soit... Voilà, je vais vous présenter plusieurs solutions, comme ça sera mieux. Soit... Vous mettez un repeater comme ceci, vous laissez votre repeater, vous remettez un repeater mais à 4. Et puis vous mettez toute la redstone ici, vous mettez de la redstone qui part comme ceci. Voilà. Voilà comme ceci. Et puis donc là vous ne faites pas rentrer tout de suite, vous faites ça. Vous mettez un repeater en bas, donc à un tic, hein, on s'en fiche. Hop, et vous le faites monter jusqu'à là-haut. Comme ceci, voilà. Soit l'autre que je vous ai montré. Donc ici, on va faire pareil en fait finalement. Donc là, vous la mettez pas, vous les mettez à attendez, je l'ai mis à combien là? Non, pas à 4 tics, non. À deux tics, voilà, 2 tics. Plutôt 2 tics, ouais, parce que 4 tics, c'est ici qu'on va les mettre. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous faites exactement comme je viens de vous dire là maintenant. Parce que du coup, je pense que cette solution, il y a beaucoup trop de redstone. Après, voilà, donc on continue, vous mettez de la redstone, voilà, comme ceci, parce que n'en mettez pas qu'en fait sur les trucs, ça sert à rien, parce que je suis pas sur PC, si on peut, donc c'est pour ça.
Ensuite, vous ramenez ça jusqu'à là-bas. Donc voilà, pour que, bah, pour que ces pistons puissent fonctionner, ma foi. Vous mettez... Hop. Alors, tac, comme ceci. Un repeater. Vous faites monter. Tac. Oups, j'ai mis un petit bloc ici. Hop, comme ceci. Donc le système est bientôt prêt. Bientôt terminé. Vous remettez un repeater à 4 tics. Donc celui du bas, pour que ça fonctionne, celui-ci, vous le mettez à 3 tics. Voilà, 3 tics. Celui-ci à 1 tic. Celui-ci à 4 tics. Vous mettez une redstone là, parce que celui-ci, comme repeater, il va envoyer une décharge dans ce bloc-là, ce qui va activer cette redstone-là, qui va activer le reste. Et maintenant, votre système est complètement préparé, en fait. Donc voilà. En fait, en gros, voilà, là, vous avez terminé votre système. Notre système est complètement opérationnel. Après, si vous voulez faire la même chose avec celui-ci, je sais pas si vous pouvez. Ah oui, je veux pas faire passer ce système ici, parce que sinon, ça va l'activer trop vite. Donc, voilà. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Excusez-moi pour la petite... Je me suis trompé. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Faut surtout pas que là, il y ait rien qui touche. Faut qu'il y ait rien qui touche, en gros. Donc voilà, vous faites comme ça. Donc si vous avez bien suivi le tutoriel, moi, ça devrait donner ça. Voilà, ça devrait donner ça. Ça devrait donner ça. Et puis, ma foi, votre système est maintenant opérationnel. Donc vous pouvez faire tout fonctionner. Puis on, si vous voulez, on va faire même la même chose devant. Là, voilà, on va faire comme... On va faire plutôt... Ah oui, non, on est obligé de faire ça. On est obligé de faire ça. Parce que j'ai oublié qu'on avait... Bah, on va mettre des tapis pour que, si vous voulez, que ce soit vraiment là, qu'on voie pas, quoi, en gros. Voilà, tac tac, voilà, vous mettez les tapis tranquille comme ça, voilà, hop. Ensuite vous prenez du béton, vous cachez ça comme ça, parce que regardez, attendez, à l'intérieur, en gros, c'est quand même une grosse télé, en fait. Voilà, c'est quand même une énorme télé. Donc voilà, hop, vous mettez comme ça, donc vous voyez, on voit pas ici, donc c'est très bien. Tac, 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 hop. Donc après, vous faites une salle comme vous voulez, dès que vous avez fait tout le système. Après, vous en faites pas, après c'est tout opérationnel, hein, donc ça fiche un peu. Hop, vous faites comme ceci, et voilà un peu votre petit engin, votre chère télévision Minecraft qui marche, hein, qui est opérationnelle, donc c'est-à-dire que vous pouvez regarder la télé en forme Minecraft, hein. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez même faire comme j'ai fait là-bas, hop, hop, en utilisant le bloc, hein, c'est comme vous voulez, hop, 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 tac, tac, hop, voilà, comme ceci, puis là, ça vous fait votre télé. Alors, bien sûr, si vous voulez faire défiler les images, si vous mettez des images comme ça, vous faites comme moi, vous essayez de mettre des blocs comme ça, mais qui vont ensemble, hein, c'est-à-dire que, par exemple, alors, on va prendre, tiens, les épées comme ça, là, pour les mettre. En gros, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, comme ça, comme ça. Oui, c'est ça, non, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, puis genre, ça vous fait défiler les images. Hein. Alors là, c'est facile à les mettre, c'est normal, mais après, quand elles sont en l'air, quand faut faire des autres trucs, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je. C'est pas mon problème, c'est comme vous voulez. Là, je mets ça, tac. Tac, 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 voilà. Puis là, je vais mettre des blocs vite fait. Après, si vous voulez mettre d'autres blocs, hein, vous faites comme vous voulez. Alors là, vous augmentez d'un, voilà. Donc on va pas faire bouger des blocs comme ça. On va faire bouger, tiens, des blocs comme ça. Non, mais vous prenez les blocs que vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. C'est pas moi qui décide, hein. Donc après, je vous laisse votre imagination. Hop, voilà, vous faites des trucs comme ça. Vous en faites pas, quand elles vont passer exactement comme vous avez placé vos blocs devant. Ouais, à peu près comme ça. Alors là, il y a un problème. Je crois que je me suis gouré dans le système. Parce que. Ah oui. Décaler ça du coup. Parce que c'est vrai que je l'ai fait peut-être un peu. J'ai peut-être pas bien vu, non? Oui, non, j'ai pas bien vu. Excusez-moi. J'ai fait une petite faute là. Bon, après, c'est un peu normal. Parce que c'est vrai que c'est un système quand même assez difficile, hein, au niveau redstone. Donc voilà. Alors. Décalez-vous tout ça là. C'est incroyable quand même comme vidéo, comme système. Voilà, vous laissez rien, vous décalez juste ça comme ça, et voilà. Petite faute de ma part. Voilà, et là vous mettez
les pistons, voilà. Non, vous en faites pas, c'est pas une grande faute, hein, ne vous en faites pas, ça bouge rien, c'est toujours pareil. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous en mettez pas sur les côtés, là, vous en mettez uniquement sur ce côté-là, voilà. Ensuite, bah là, vous remplissez avec le même bloc, hein. Je fais avec le même bloc, après, à vous de créer vos images. Hein. Hop, pas ici. Donc on se décale comme ceci, parce que c'est en bas que c'est rempli, donc voilà, hop, 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 voilà, hop. Alors, je sais pas vraiment mettre ici. Voilà, donc là, ça vous donne ça, en gros. En gros, ça vous donne ça. Donc voilà, votre télé est opérationnelle, mais maintenant, pour la faire fonctionner, eh bien, c'est tout simple. Vous devez déjà, voilà, donc quand on va activer le système, regardez ce que ça va se passer, hop. Vous avez ça, donc voilà, ça allume pas tout de suite. Et ben comment l'allumer, c'est tout simple. Vous descendez jusqu'à deux en bas. Voilà, vous voyez votre cher piston, donc vous mettez deux redstone comme ceci, vous en amenez une comme ça. Ici il y a rien, ici il y a rien. Voilà, donc là vous avez votre triton. Là, en gros, vu qu'il y a qu'un fil comme ça, au pire si vous voulez, vous mettez hop un répéteur pour que ça puisse bien faire fonctionner. Là, vous montez. Ici plutôt, parce que là, l'autre côté ça va pas aller. Tac, on monte encore. Tac, et là on va essayer de mettre donc le truc de la télé ici. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va mettre une redstone. Alors, je sais pas si. Ouais, vous allez mettre hop, un levier. On touche plus à rien. Voilà, vous avez votre système maintenant prêt. Regardez les amis, attention. Hop, je l'actionne. Alors, oui. Hop, je l'actionne et regardez. Hop, il descend. Voilà, votre télé est maintenant fonctionnelle. Regardez les blocs qui défilent. En gros, c'est assez bien. Regarde, on va voir nos épées donc, tout de suite. Attention. Regardez, hop, les épées qui descendent. Voilà, votre système est maintenant opérationnel et vous pouvez même éteindre votre télé. Voilà, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus du tout. Attends, vous mettez les images à défiler comme vous voulez. Donc voilà, ça hop, ça remonte, ça descend. Hop, regardez, regardez le système comme il marche bien. Regardez ce beau système. Regardez comme ça monte automatiquement. C'est un espèce de serpent qui tourne en rond pendant je sais pas combien de temps. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, ou pour un prochain tuto si vous voulez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, aussi, envoyez des commentaires. Allez voir mes anciennes vidéos, si elles vous plaisent. Sur ce, comparez aussi les anciennes vidéos jusqu'à celle-ci, parce que c'est vraiment génial. Vous verrez comme quoi je me suis quand même assez améliorée. Sur ce, eh bien, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis !